Ce dimanche 17 octobre était une journée particulière pour Kate Middleton et le prince William. En effet, ils assistaient à la première édition du Earthshot Prize, un prix environnemental donné par leur fondation, la Royal Foundation. Le trophée a pour but de montrer le travail des personnes qui apportent des solutions pour aider l'environnement. À la clé, un financement pour les projets qui inciteront au changement et aideront à réparer notre planète au cours des 10 prochaines années. À cette occasion, Kate Middleton a souhaité prononcer un discours très important. La duchesse de Cambridge a ainsi prévenu que nous sommes en train de voler à nos enfants l'avenir qu'ils méritent. L'épouse du prince William a mis à l'honneur la nature et sa biodiversité. Un monde naturel prospère régule notre climat, nourrit notre santé physique et mentale et aide à nourrir nos familles. Mais pendant trop longtemps, nous avons négligé nos espaces sauvages. Et maintenant, nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes, a-t-elle déclaré. Pour la maman de 3 enfants, il y a urgence, si nous n'agissons pas maintenant, nous déstabiliserons définitivement notre planète. Le prince William, nous n'avons pas fait assez pour protéger la planète pour votre avenir. De son côté, le prince William a également pris la parole, relevant tout comme sa femme, l'extrême urgence de ce combat écologique. J'espère que tous ceux qui nous regardent comprendront mieux les défis urgents auxquels notre planète est confrontée au cours de cette décennie décisive. Il s'est exprimé notamment à destination des plus jeunes, je veux dire quelque chose à tous les jeunes qui regardent ce soir. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas fait assez pour protéger la planète pour votre avenir. Le papa de George, Charlotte et Louis a ainsi donné de l'espoir à chacun, et j'espère que nos gagnants Earthshot vous ont montré qu'il n'y a pas de place pour le désespoir.